Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. Dans ce haul j'ai principalement des vêtements et des accessoires. J'ai juste quelques trucs de maquillage mais c'est pas grand chose. Juste avant de commencer, je tenais à vous informer pour ceux qui sont un peu allergiques au partenariat qu'il y a un partenariat avec Shein, donc pour les vêtements, et un partenariat avec L'Oréal pour la petite partie maquillage. Voilà, du coup on va commencer. Donc du coup je vais vite fait vous montrer le maquillage parce qu'il y a quelques produits, il n'y en a pas beaucoup. C'est via la plateforme Ivancy, c'est L'Oréal qui me l'a envoyé gratuitement. Je ne suis pas du tout payée pour vous en parler ou quoi que ce soit. Donc en fait j'ai pris ce lot parce que je voulais ceci dedans. C'est une base en fait de maquillage matifiante. Je ne l'ai pas encore utilisée puisque j'attends d'avoir fini celle que je suis en train d'utiliser qui est bientôt finie. Donc la texture elle a l'air assez liquide. Je pense que ça matifie sans enlever la luminosité de votre visage. Voilà ce que ça fait sur ma main par rapport à l'autre. Ça fait un peu un effet lissé mais ça donne beaucoup de lumière en fait. Donc je suis pressée de l'utiliser. Et puis du coup avec ils m'ont envoyé 3 correcteurs. Là j'en ai que 2 parce que le dernier je l'ai donné à ma mère. Donc c'était un qui était plus foncé et du coup je pense que l'été quand elle sera bronzée elle pourra le mettre. Mais moi, même bronzée, je ne pourrais pas le mettre. Ce sont ces concealers-là. Je crois que c'est des nouveaux, c'est les infaillibles. Donc du coup, moi j'ai la teinte 323 et la teinte 330. Je pense qu'il y a pas mal de teintes. En tout cas, celui-ci, si vous avez la peau claire, il est bien. Parce que c'est vrai que je trouve que dans ces marques-là, que vous trouvez en grande surface et tout, il y a souvent peu de teintes et surtout pas beaucoup de teintes claires. Enfin, moi j'ai la peau très claire comme vous pouvez le voir. Mais du coup celui-ci il est limite trop clair pour moi. Donc si vous avez la peau claire il est vraiment bien. L'embout est hyper gros. Alors après ça m'a pas gênée. C'est une très haute couvrance. Si vous cherchez quelque chose de léger c'est pas pour vous. Par contre si vous avez des assez grosses imperfections que vous voulez cacher, ça peut être bien. Ensuite on va passer à Shein puisqu'ils font des grosses promotions en ce moment. Donc normalement je vais poster cette vidéo là quand la promotion commence puisque je pense que c'est le mieux pour vous. 15% en plus sur toutes les promos etc et puis même sur tout le site avec le code SHSALE458, je le mettrai à l'écran, 23 mars au 14 avril. J'aime trop ce site, vous allez voir ce que je vais vous montrer, c'est trop cool. Vraiment Shein c'est je pense mon site internet préféré. Autant le magasin préféré je pense que ça serait Primark ou Bershka. Mais sur internet ce que je préfère c'est Shein, j'y vais quasi tous les jours sur l'appli pour voir les nouveautés parce que bah déjà ça c'est un point hyper important par rapport à Bershka, Stradivarius etc. C'est que c'est le genre de site qui ajoute énormément de vêtements tous les jours. Donc il y a tous les jours des nouveautés, c'est très tendance du coup vu que c'est les dernières tendances qui sont sorties. Et je trouve que la qualité est bien et que les prix vraiment c'est imbattable. Et ce qui est cool sur ce site c'est que c'est pas cher, il y a plein de choix, il y a des nouveautés tous les jours. La qualité est bien, enfin moi je suis rarement, très rarement déçue. Et il y a plein de personnes qui donnent leur avis, qui mettent des photos portées etc. Donc ça c'est vraiment très cool. Tout d'abord du coup j'ai pris un pantalon en simili cuir. Je l'avais vu dans une vidéo de Mimi AR. J'aime bien regarder ses hauls parce qu'elle fait souvent des gros hauls Shein, des gros hauls Pretty Little Thing etc. Et du coup bah, c'est des sites pas chers et c'est les sites que j'aime bien avoir des avis avant de commander. Ce genre de pantalon j'en voulais vraiment un mais j'étais pas sûre que ça m'irait déjà. Et puis bah, elle a dit qu'il était bien donc je l'ai commandé. Mais c'est un pantalon un peu coupe droite je dirais. En haut il y a des petits trucs comme ça donc ça fait que ça se resserre bien à la taille. En plus il y a une ceinture comme ceci, vous voyez ce genre de ceinture là. Le seul souci moi que je trouve avec le pantalon c'est que la qualité est pas ouf, je vous l'avoue. Après je crois qu'il vaut 14 ou 16 euros donc vous pouvez pas avoir une super qualité pour ça c'est sûr. Mais en fait la matière est bien, je trouve qu'elle est de très bonne qualité et tout. Le seul problème c'est que la ceinture elle est assez fine et que les boucles là, vous voyez c'est une ceinture où vous devez passer comme ça, puis comme ça, et ensuite vous tirez pour serrer. Et ça coupe. Du coup, la ceinture, elle s'abîme au fur et à mesure qu'on la serre, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, j'ai un petit peu peur que les coutures se défassent à ce niveau-là. Bon, pour l'instant, ça va, je l'ai porté qu'une fois. Mais vous voyez, il y a une couture juste en dessous du genou. Je trouve ça super beau quand on le porte et tout. Je trouve que c'est vraiment un détail qui fait bien. Mais j'ai peur que les coutures
se casse. Pour la taille, il est un tout petit peu trop grand parce que je l'ai pris en L. Et je vous avoue que dernièrement, j'ai un peu de mal avec les tailles vu que j'ai perdu du poids. J'aurais eu peur que le M il soit trop petit. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre en L parce que de toute façon, il y a une ceinture. Au final, j'aime bien le rendu, donc ça va. Toujours chez Shein, je me suis pris... Oula. Je me suis pris ce top là que j'aime trop trop trop. J'adore les tops un peu romantiques comme ça en ce moment. Après, le problème, c'est que moi, je veux pas mettre cher dans ce genre de haut. Enfin... En été, j'avoue que j'aime bien avoir plein de hauts pas chers. Et je trouve que c'est assez facile au final d'en trouver. Voilà, sur Shein et chez Primark par exemple, il y en a plein de hauts un peu de ce genre. Et du coup là, celui-ci, je le trouvais super beau. Donc je l'ai pris. Il est un tout petit peu grand, je sais pas dans quelle taille je l'ai pris. J'aurais dû le prendre en S. Je vous conseille de prendre, si vous faites entre un S et un M, prendre plutôt du S. Parce qu'il taille un petit peu grand. Du coup, il est comme ceci avec des boutons tout le long là et puis des petits volants en bas. La matière est super bien, de très bonne qualité. Et il y en a plein d'autres sur le site, j'en ai mis plein dans ma sélection. Ce genre de haut, ils en ont plein et des pas chers. Ensuite, toujours chez Shein, je me suis pris des robes. Oui, dès que le beau temps revient, j'ai envie de me racheter des robes parce que voilà, cet hiver, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de robes d'hiver. Par contre, l'été, j'adore mettre des robes. J'en ai énormément, j'en ai trop même. Mais j'adore ça, j'ai une passion pour les robes, c'est ouf. Et sur Shein, il y en a plein. Là, j'ai eu trop de mal à choisir parce qu'il y en a plein que j'adore. Tout d'abord, j'ai commandé celle-ci. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment un style un peu rock. Après, moi, j'aime bien mélanger le style rock chic. Donc, par exemple, mettre cette robe avec un haut un peu comme ça, là, avec un col montant blanc côtelé. Et puis, en bas, soit des petites bottines, soit des Doc Martens. Soit des Air Force One blanches tout simplement. Et par contre, j'avais un petit peu peur de la qualité étant donné que bon, c'est du simili cuir. Au final, je suis choquée, la qualité est géniale vraiment. Les coutures sont hyper résistantes. La matière, c'est exactement la même matière que mon Perfecto que j'ai depuis des années, donc je sais que ça va durer. Elle est hyper souple la matière, ça fait pas de chip en fait. Alors, dans le dos, il y a un petit élastique comme ça. Enfin, vraiment, je vous la conseille à 1000% cette robe. Je pense qu'elle va me durer assez longtemps. Et c'est le genre de robe qu'on aurait à genre 40€ au moins dans d'autres magasins. En ce moment, je vous ai dit que j'adore les robes. Et tout spécialement les robes rouges et blanches. Et là, du coup, je me suis pris une robe rouge. Elle est comme ceci. J'ai adoré la couleur puisque c'est un rouge vraiment très lumineux. Par contre, j'aurais dû la prendre une taille en dessous, je sais pas quelle taille j'ai pris, mais elle est un petit peu grande pour moi, donc n'hésitez pas à prendre à sous-tailler. Elle est hyper élastique, hyper confortable, et puis c'est pas le genre de matière où on va vraiment tout voir à travers, puisque c'est quand même assez épais. Donc voilà, je suis trop contente, elle est trop belle, la qualité encore une fois est géniale, donc je vous la conseille à 100%. Pour finir dans les vêtements chez Shein, c'est encore un coup de cœur dans cette commande, mais il y a énormément de coups de cœur dans cette commande. C'est ce chemisier, vous l'avez vu sur mon Instagram, je l'adore, vraiment il est génial. J'ai pas eu le coup de cœur quand je l'ai commandé, enfin genre je la trouvais belle mais pas non plus hyper belle. Mais quand je l'ai reçu, quand j'ai essayé et tout, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. Ma mère pareil, elle veut déjà me la piquer. Derrière il y a un petit élastique ici. Et ce qui est cool, c'est que ça arrive pile à la ceinture du pantalon quand je mets un jean mom par exemple. J'ai rien à dire, enfin, elle est parfaite cette blouse et je crois qu'elle est à 14€ ou 16€. Pour finir chez Shein, je me suis pris une paire de chaussures. Donc c'est cette paire là, je pense que tout le monde ne va pas aimer. Mais moi j'adore, voilà, par contre elles sont pas très bonnes. Moi j'adore ce genre de chaussures comme ça. Par contre bon bah c'est pas des chaussures que forcément je vais beaucoup porter, je le sais. Parce que c'est pas hyper confortable et... C'est pas le genre de chaussures que je peux mettre pour marcher jusqu'à la fac par exemple. Du coup je voulais pas mettre très cher dedans et j'en trouvais pas trop des abordables. J'ai vu celle-ci sur Shein donc je les ai prises. Les gens disaient qu'elles taillaient un petit peu grand mais j'ai quand même pris ma taille habituelle et elles me vont. Après la qualité elle est pas ouf, enfin, vous voyez bien c'est pas des chaussures qui vont vous durer des années à moins que vous les mettiez quasiment pas. Mais bah, je suis contente parce que j'en voulais des comme ça et que... Et que bah elles me vont donc voilà. Et c'est très simple sinon le look, je voulais juste une petite boucle ici. On va passer à Bershka, j'y suis passée le week-end dernier. Donc ce que je vais vous montrer c'est encore dispo, c'est la nouvelle collection. Donc tout d'abord j'ai pris une jupe, je pense que ça va pas plaire à tout le monde à cause de la couleur. Mais j'imaginais trop cette jupe avec un haut blanc et puis des Air Force One blanches en été. Je trouve que ça peut rendre hyper bien, c'est quand on est bronzé et tout. Je trouve que ça peut rendre super beau. Donc du coup c'est cette jupe, voilà, elle est orange fluo. Les coutures sont blanches,
C'est pour ça que j'imaginais trop bien avec une tenue blanche plus la jupe comme ça. Je trouve que ça peut faire super beau. Et elle a coûté 16 €, donc c'est pas super cher pour une jupe en jean. Voilà, ça change vraiment de ce que je mets d'habitude. Mais c'est un petit challenge et j'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort pour mettre des choses que j'aime bien mais que j'ose pas forcément porter. Chez Bershka, je me suis pris un short. Oui, je sais, c'est un petit peu tôt pour acheter des shorts, mais il était parfait en fait. J'étais obligée de le prendre. Je pense même que je vais le prendre dans une autre couleur prochainement. C'est ce short façon un petit peu Kim Possible, safari, aventurier, tout ça. Et j'aimais trop. Voilà comment il est. Ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop court parce que moi j'aime pas les shorts où on voit les fesses. Je trouve ça super moche, je trouve que ça met pas du tout en valeur. Du coup voilà, celui-ci il est pas trop court mais il est pas non plus trop long. Il y a un petit détail de poche ici, il y a des grandes poches ici, une ceinture qui est vendue avec hein. Et en plus je trouve que derrière il est super beau, ça fait vraiment des belles fesses. Ça fait pas des fesses toutes plates ou quoi, donc c'est très cool. Et il était à 16 € encore une fois, je l'ai pris en 38. Ensuite on passe à Action, j'ai juste 3 trucs à vous montrer. J'avais envie de me racheter des vêtements de sport parce que ça faisait très longtemps que je n'en avais pas acheté. Mais je voulais pas mettre cher dedans parce que le legging Nike à 50 €, non merci. Mais je voulais quand même des vêtements de sport de bonne qualité et qui soient beaux. Du coup je me suis dit que j'allais tester Action vu que j'en avais déjà vu là-bas. Et que leur rayon sport il est vraiment bien. Donc du coup je me suis pris une brassière. Donc elle m'a coûté 4 €, le bleu est magnifique, vraiment la couleur est trop belle, j'adore. En plus elle est de très bonne qualité, elle tient assez bien. Après si vous cherchez un soutien fort, je vous conseille pas, bon, moi je fais du B donc ça va. Mais si vous faites du D ou du E, je vous conseille vraiment pas par contre. Il y a des coussinets à l'intérieur, c'est pas rembourré, hein, c'est juste des coussinets et vous pouvez les enlever si vous voulez. Et puis derrière vous pouvez régler les bretelles ici. Donc c'est vraiment cool. Pour aller avec la brassière, je me suis pris un legging. Je me suis dit, je vais tester. Je crois qu'ils étaient entre 6 et 8 €. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais du coup, c'est vraiment pas cher pour un legging. Surtout qu'il est de super bonne qualité. C'est devenu mon legging préféré. Je vous montrerai une photo portée. Donc je l'ai pris en M. La taille est très bien. Ce que j'adore, c'est que la matière est assez épaisse. Hyper confortable. Ça ressemble un peu à la matière de mon legging Nike. Et il est taille haute comme ceci. Du coup c'est super confortable, vous passez pas votre temps à remonter votre leggings. Et je trouve que ça fait des belles fesses, ça fait un ventre plat. Vous n'êtes pas obligé de mettre un t-shirt puisqu'au final on voit quasi pas votre ventre. Donc vraiment je vous conseille à fond. Et j'avais demandé à ma mère d'aller me rechercher le même puisque je l'aimais bien. Sauf qu'elle s'est trompée, elle m'en a pris un autre. C'est celui-ci. Du coup le seul bémol c'est qu'il est un petit peu grand malgré qu'elle l'ait pris dans ma taille. Je trouve super beau, j'aime bien la ceinture comme ça et tout. Mais il est plus fin la matière, donc de moins bonne qualité. Il est trop grand en longueur et en largeur à certains endroits. Je vous conseille plus l'autre que celui-ci, mais celui-ci est quand même de bonne qualité. Après, n'hésitez pas à prendre la taille en dessous parce que il taille un petit peu grand et il y a ce petit détail aussi au genou. On va terminer avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc tout d'abord, de ma cousine, j'ai reçu ce sweat. Il est trop beau, c'est un sweat Calvin Klein. Donc en fait, c'est marqué Calvin ici, Klein dans le dos et jeans sur la manche. Je crois que c'est la nouvelle collection, je sais qu'elle l'a eu à Citadium. Donc voilà, il est forcément de super bonne qualité vu que c'est bon, c'est une marque de bonne qualité quand même. Il n'est pas trop épais donc il tient pas trop chaud, ce qui est bien pour la période là du coup, vu qu'on arrive au printemps. Bon bah moi j'adore le rouge donc je suis super contente. Merci à ma cousine si elle regarde cette vidéo. Mes autres cousins et cousines m'ont pris une carte cadeau Footlocker parce qu'ils ne savaient pas trop quoi me prendre. Et du coup avec, j'ai été me chercher une petite paire d'Air Force One blanche. J'avais déjà plusieurs paires de Air Force One, j'en avais une, elles sont au fond là-bas. J'en avais une grise et avec la semelle en gomme ici et à côté une noire et blanche. Sauf que mes noires et blanches, je les ai énormément portées et elles sont un petit peu abîmées et tout. Du coup même à l'intérieur elles sont abîmées, du coup elles sont moins confortables qu'avant. Donc je voulais vraiment m'en racheter. Je m'étais dit que je me rachèterais les toutes blanches puisque c'est vraiment un basique, ça va avec tout. Moi je mets beaucoup de haut blanc et tout, donc je me suis dit que c'est ce que je mettrais le plus. Et voilà, du coup je les ai pris. C'est vraiment un basique, elles sont super belles.
Moi j'adore les Air Force One, donc forcément je les aime trop, j'ai déjà porté. Encore une fois, merci à mes cousins et cousines. De mes parents, j'ai reçu un sac Guess, comme ceci. Vous l'avez vu sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste beaucoup en story en ce moment, j'essaie de beaucoup plus poster, même des photos, j'en poste plus. Je vous préviens quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. D'ailleurs, j'ai reçu un message comme quoi mes vidéos ne s'affichaient pas tout le temps dans votre fil d'actualité. Donc du coup, bah, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour justement savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous pose aussi des questions de sondage, voilà, des fois juste comme ça. Des fois quand je fais du shopping, je vous demande genre je le prends, je le prends pas. Je vous pose aussi des sondages pour savoir ce que vous préférez voir comme vidéo. Ou si par exemple je pense à un concept mais il y a un détail sur lequel je suis pas sûre, je vous demande. Et du coup je vous avais montré ce sac, j'adore les sacs. Après je m'en achète pas très souvent parce que je préfère m'acheter des sacs de bonne qualité, de marque un peu... pas luxe, enfin si luxe. Mais pas du gros luxe, pas genre Yves Saint Laurent, Gucci, etc. Mais peut-être un jour. Mais du coup, voilà, j'ai déjà deux sacs Michael Kors. J'ai un seul sac qui vient de chez Stradivarius, qui est un sac banane en fait, parce que je voulais pas mettre cher dans un sac banane. Et puis maintenant, j'ai ce sac-là. Donc c'est pas du luxe, mais c'est quand même une bonne marque. Et j'ai adoré le motif en fait. Ça me rappelle beaucoup le monogramme vintage de Gucci. Qui est très à la mode en ce moment, j'adore ce genre de sac monogramme. Et du coup quand j'ai vu ce sac, j'ai beaucoup aimé, j'adore la couleur aussi puisque moi j'ai que des sacs noirs, donc je me suis dit que ça changerait. J'ai aussi que des sacs avec des détails dorés, là c'est des détails argentés, donc pareil ça change. Et je le trouve super beau, la taille elle est parfaite, je l'adore. Par contre je l'ai eu sur une vente privée, sur le site vente privée je crois, ou showroom privé, je suis plus sûre. Mais du coup je le trouve pas sur le site Guess. Par contre il y en a des similaires si ça vous intéresse. Et voilà, vraiment je l'aime énormément. Et du coup c'est moi qui l'ai commandé, donc je connais le prix. Il était à 55€ au lieu de 125. C'est terminé pour ce haul. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ce haul. N'hésitez pas à me donner des nouvelles idées de vidéos, puisque en ce moment j'ai énormément envie de poster. Là prochainement, je sais pas si mon haul Primark sort avant ou après cette vidéo, mais il y a des pépites dedans, donc je vous conseille vraiment soit d'activer la petite cloche pour recevoir juste une notification quand je poste une vidéo, soit de me suivre sur Instagram pour ne pas louper la vidéo, puisque c'est vraiment le plus gros haul Primark que j'ai pu faire sur ma chaîne et il y a des pépites dedans. Voilà pour ça, et j'espère que ce haul vous aura plu. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !